de Premier ministre de ce grand et majestueux pays, la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision. Vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations. Les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé, l'accessibilité à des soins décents pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes, des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Ensuite, comme vous pouvez aussi vous l'imaginer, nous avons parlé des réformes parce que le pays en a besoin dans plusieurs secteurs. Ces réformes, nous allons les mener, que ce soit dans le secteur fiscal, que ce soit au niveau de la loi électorale, parce qu'il faut penser aussi à cela, que ce soit au niveau de la digitalisation du pays. Tous ces grands défis et ces grandes réformes qui doivent venir, nous espérons le faire sous, bien sûr, le contrôle bienveillant du Parlement. Le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation est un gouvernement qui se veut au service du peuple congolais. Et pour cela, nous allons demander à toute la nation, à tout le peuple congolais, de l'accompagner. Parce que sans lui, il ne pourra pas réussir. Nous avons passé un peu plus d'une heure, si pas une heure et demie, avec le chef tout à l'heure. Et donc, je ne saurais pas résumer tout ce que nous nous sommes dit. Nous allons avoir bientôt un rendez-vous au Parlement où nous devrons donner le programme du gouvernement qui sera beaucoup plus complet, où nous allons à ce moment-là vraiment déployer tout ce qui sera l'action de notre gouvernement. Donc je tenais d'abord à faire ce résumé succinct en rappelant bien sûr que tout cela va se faire dans un contexte où nous vivons la pandémie du Covid-19. Et où nous allons rappeler à tous que c'est important que nous puissions respecter les mesures barrières et que nous devons lutter contre un seul homme, contre cette pandémie.
Merci à ce stade et je m'en remets à vous. Monsieur le Premier ministre, souffrez cependant que je prenne deux petites questions. Bien parce sûr. Que la presse en est véritablement envieuse. Bien alors, sûr. La première question, passion Ligaudi, et la deuxième, ce sera avec Rachel Petit. Merci. Monsieur le Premier ministre, on voit très bien que le temps court. Quand est-ce qu'on pourra avoir votre équipe et quelle est votre opinion par rapport à la taille de votre futur gouvernement? Je vais commencer par la taille. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins énoncée par la volonté de Son Excellence Monsieur le Président de la République en disant que ça devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. Mais bien sûr, en leur faisant comprendre que nous n'avons pas le temps qui joue avec nous, le 15 mars où nous devons nous présenter, c'est déjà dans un mois. Et donc je vais compter sur leur bonne foi et pour que nous allions vraiment dans la célérité, dans la formation du gouvernement. Vous avez parlé des défis qui vous attendent, vous en avez discuté avec le chef de l'État, mais pour résoudre ou répondre favorablement aux préoccupations des Congolais, il vous faut des hommes capables de vous accompagner. Le profil de votre population, sur quels critères basez-vous pour désigner les membres de votre gouvernement? Vous êtes vous-même jeune, comme ministre. Est-ce que les jeunes auront leur place dans ce gouvernement, bien entendu, sans complaisance? D'accord. D'abord, en ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité et de moralité avérée, parce que ça, c'est important. Et par la suite, bien sûr, vous avez mentionné quelque chose d'important. Parce que vous parlez d'une question de participation. Et moi, j'aurais voulu que vous parliez de vous, la participation féminine, parce que vous n'en avez pas parlé, vous avez beaucoup plus parlé des jeunes. Et ça, ça a été le souhait. Mais souvenez-vous que ça a chaque fois été des demandes qui ont été faites aux formations politiques. Après, il y a des travaux qui doivent se faire pour voir comment améliorer. Moi, j'espère que cette fois-ci, on pourra démontrer qu'on aura un gouvernement avec une plus grande participation de la jeunesse et une plus grande participation de la femme. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci. You're the God, 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 God. No one can.